On a besoin, bien sûr, des lasagnes, du fromage, parmesan et mozzarella, des oignons, du beurre, du lait, de la farine pour faire la béchamel, du sel, des épices pour l'assaisonnement, de la viande hachée, tomate, carotte, ail et ça, c'est un petit piment. Donc, voilà. Ensuite, on rajoute les carottes et l'ail. C'est le tour de la tomate. Là, une fois rajouté la tomate, on va venir mettre les épices. Ça, c'est les condiments du taro, c'est une épice camerounaise. On va rajouter un peu de condiments du taro. Ensuite, on va mettre du poivre noir moulu. Les arômes du sud. L'aromate. Et on va mettre un peu de sel. Maintenant, on va mélanger tout ça. Donc là, on a laissé mijoter. On va venir rajouter de la viande hachée. Donc là, j'ai rajouté de la viande hachée. Je vais venir mettre un peu de piment. Je mélange tout ça et je laisse cuire. Pendant que la sauce bolognaise est en train de cuire, on va faire la béchamel. Pour ça, on va commencer par faire fondre le beurre. Donc, une fois le beurre fondu, on va rajouter de la farine. Et on va mélanger. Donc, on a mélangé le beurre et la farine. Là, on va rajouter du lait. Et on remélange. Donc, quand c'est bien mélangé, c'est à ça que ça ressemble. Je commence le dressage. En fait, j'ai mis le beurre pour éviter que ça colle. Donc, on a mis la première couche de feuilles de lasagne, on a mis la béchamel, la bolognaise et le fromage. Et on va répéter jusqu'à la fin. Donc, voilà.